PMS, what they call me. I promise that you'll never be lonely. Bonjour et bienvenue sur Windbrew Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce nouveau tuto, je vais montrer plusieurs astuces pour régler le problème de plantage Windows. Si arrivé sur une page, elle se bloque, ici vous ne pouvez plus l'enlever, vous avez beau appuyer, elle ne s'enlève plus. Vous n'avez plus accès à une application que vous voulez ouvrir, si vous voulez ouvrir par exemple YouTube ou autre, et bien cette application ne s'ouvre pas et c'est embêtant et vous pouvez même pas éteindre votre ordinateur. Alors surtout je vous conseille pas d'éteindre votre ordinateur sur le bouton power quand vous appuyez longtemps sur le bouton power. Cela peut engendrer plus de problèmes à votre ordinateur. Alors surtout, ne faites pas cette action-là. Justement, la vidéo est faite justement pour éviter que vous appuyiez sur le bouton power et que surtout, ça risque d'endommager Windows encore plus et ça va créer plus de problèmes que plutôt les arranger. Alors, si vous arrivez, comme je vous l'ai dit, sur une page où vous ne pouvez plus enlever ici et que vous ne pouvez plus ici, par exemple, avoir accès à cette option pour arrêter l'ordinateur, si vous appuyez sur arrêter, il ne s'arrête pas, et bien plus rien ne fonctionne. Alors on va regarder plusieurs possibilités de résoudre le problème. Le fait qu'une page ne puisse pas s'enlever ou bien que vous ayez plus accès au menu arrêt, vous ne pouvez pas éteindre votre PC. Et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas appuyer sur le bouton power pour éteindre votre PC, car cela peut engendrer des problèmes. On va faire CTRL ALT supprime. Vous restez appuyé sur CTRL ALT et supprime les trois en même temps. Voilà. Et vous vous retrouvez ici et essayez de déconnecter à partir de là. Si vous ne pouvez pas vous déconnecter, on va aller directement dans le gestionnaire des tâches. Gestionnaire des tâches, on clique sur gestionnaire des tâches. Une fois le gestionnaire des tâches ouvert, on va regarder s'il n'y a pas des pages en premier plan qui en fait ne veulent pas se fermer. On va repérer celles qui ne veulent pas se fermer. Alors vous regardez ici le pourcentage. Le pourcentage ici, si vous avez des pages qui sont bloqués, ici vous pourrez les désactiver, c'est-à-dire faire une fin de tâche. Là on a vu pour Google, et bien on va aller chercher Google qui est ici. Alors ça bouge toujours, on va aller chercher. J'ai Google ici. Google, une fois que vous avez cliqué sur Google, vous faites un clic droit et vous faites fin des tâches. Fin des tâches, automatiquement, vous voyez, la page s'est enlevée. Je n'ai plus de Google ouvert. Si c'est une autre page, vous faites la même chose. Vous recherchez la page concernée qui ne veut pas se supprimer. Et ensuite, vous faites une fin de tâche. Si c'est par exemple l'explorateur de fichiers, on va aller chercher l'explorateur de fichiers. J'ai l'explorateur de fichiers ici, je fais un clic droit dessus où je fais redémarrer et il redémarrera en mode normal, il ne se bloquera plus, ou bien vous faites une fin de tâche et ça supprimera la page explorateur de fichiers, l'explorateur Windows. Et ça vous le faites avec toutes les pages. Alors il se peut aussi en même temps qu'il y ait une page qui ne s'aperçoit pas. Quand vous arrivez ici, elle n'est pas ouverte, mais elle peut être à 100%. Si vous voyez du 100%, du 80% et que la page n'est pas active, vous n'avez rien activé, eh bien, il faut l'enlever.
voyez, si par exemple l'explorateur, comme je vous ai dit, était à 80%, il n'aurait pas été normal qu'il soit à 80% alors qu'il n'est pas ouvert. Donc vous faites les mêmes manipulations. Vous cliquez sur la page ou sur l'application en question et vous faites fin des tâches. Si par exemple c'est Microsoft Office, je fais fin des tâches ici, une fois que je l'ai sélectionné. Si c'est l'explorateur, je fais aussi fin des tâches. Je sélectionne et je fais fin des tâches. Et ainsi de suite. Si c'est cette application, je le sélectionne comme ceci, ou je fais un clic droit, je fais fin des tâches, ou bien vous avez fin des tâches ici. Et ensuite, avec ça, vous devriez résoudre le problème du plantage de Windows. J'ai dit. Ensuite, il y a une autre possibilité, c'est d'aller sur Utilisateur. Utilisateur, vous sélectionnez votre nom d'utilisateur et vous faites déconnexion. Si ça se déconnecte, tant mieux, ça a résolu le problème. Vous faites un redémarrage et cela aura résolu le problème. Si vous avez accès, vous faites Windows X. Et ici, vous allez sur Paramètres. On fait mise à jour et sécurité. Dans mise à jour et sécurité, il se peut qu'il y ait des mises à jour en cours et qui ont fait planter votre Windows. Ou bien il y a des mises à jour qui doivent se faire mais qui n'ont pas été faites et qui font planter Windows. Seulement, ce qu'il faut faire, c'est faire des recherches de mise à jour. Alors, on fait une recherche de mise à jour et on attend voir s'il y a une mise à jour disponible. Alors, si vous avez comme moi pas de mise à jour en cours, c'est que le problème ne vient pas de là. S'il y a des mises à jour, je vous recommande de les faire au plus vite. Ensuite, après avoir fait la mise à jour, après avoir fait les mises à jour, vous redémarrez votre ordinateur et regardez si le problème a été résolu. On va aller voir la prochaine étape. Prochaine étape, comme je vous ai dit, si vraiment aucune de ces astuces n'a résolu le problème, vous faites CTRL Alt, CTRL Alt, supprime en même temps, comme je le fais. Vous vous déconnectez. Si l'ordinateur se déconnecte, c'est que vous pourrez résoudre le problème après redémarrage de votre ordinateur. Prochaine astuce, vous faites Win plus R. Cette petite fenêtre s'ouvre, c'est la fenêtre exécutée. Dans cette fenêtre exécutée, on va y inscrire shutdown-, c'est-à-dire moins, plutôt F. Shutdown-, alors shutdown, on fait moins. F. Voilà. Ensuite, alors shutdown veut dire arrêter et F c'est F de forcer. C'est un arrêt forcé. C'est-à-dire que ça va forcer l'arrêt des pages qui se sont bloquées sur votre ordinateur. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez inscrit shutdown F, voilà, vous faites OK. Regardez si Windows a déconnecté toutes les pages ou bien a fait un redémarrage et a redémarré normalement, si cela n'a pas fonctionné. On va voir une autre solution. Solution suivante. Vous faites Win et U. Ça va nous amener aux paramètres. Et dans paramètres, on va inscrire dans la barre de recherche avancée. Dans avancée, on va modifier les options de démarrage avancées. Dans les options de démarrage avancées, on va faire redémarrer maintenant. Alors, on fait un redémarrage maintenant. Windows se met en réparation automatique.
Si toutes les opérations auparavant, vous n'aviez pas accès, cette astuce pourra vous permettre justement d'avoir accès à toutes ces manipulations. Arrivé ici, ce que vous pouvez faire, c'est quitter et passer à Windows 10. Une fois que vous avez quitté et passé à Windows 10, vous essayez, vous ouvrez Windows en mode normal, et ensuite vous regardez si le problème a été résolu. S'il n'a pas été résolu, il vous faut refaire la manipulation pour revenir au redémarrage avancé. Vous revenez sur cette page-là, et donc on passe à dépannage. Ensuite, sur options avancées. Sur options avancées, ce que vous pouvez faire, c'est changer le comportement de Windows au démarrage. Ou bien, outils de redémarrage système. On fait outils de redémarrage système. On attend qu'il se mette en redémarrage système. Ici, vous cliquez sur votre compte. Ici, on vous demande le mot de passe de votre compte. Alors, le mot de passe de votre compte, ça peut être le mot de passe comme si vous alliez ouvrir Windows. Et si ça ne fonctionne pas, c'est le mot de passe du compte Microsoft. Alors, moi, ça sera le mot de passe du compte Microsoft qui ne correspond pas au mot de passe quand je veux ouvrir Windows. Arrivé ici, une fois que vous avez mis votre mot de passe, il met un diagnostic de votre ordinateur et regarde s'il y a une réparation à faire ou pas. Il se peut que l'ordinateur ne puisse pas réparer votre PC. Mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres solutions pour résoudre le problème. Vous voyez, outil de redémarrage système n'a pas pu réparer votre PC. Donc dans ces cas-là, on fait option avancée. Option avancée nous ramène à la page de réparation automatique. On refait dépannage. On refait option avancée. Ensuite, on fait option avancée, on fait paramètres. Paramètres, on fait redémarrer. On redémarre et ici on vous propose activer le mode sans échec, numéro 4. Ou activer le mode sans échec avec prise en charge réseau. On va appuyer sur la touche 5. Ce n'est pas la touche F5, c'est la touche 5. Alors on appuie sur la touche 5. Ici, il faut rentrer son mot de passe pour ouvrir Windows en mode sans échec. On se retrouve dans le mode sans échec. Maintenant, vous allez pouvoir, à cette page-là, dans le mode sans échec, vous allez pouvoir faire les manipulations que je vous ai montrées au début. Vous allez dans le gestionnaire des tâches. Gestionnaire des tâches. On ouvre le gestionnaire des tâches, on vient ici et on regarde les applications, voir s'il y a une application où il y a marqué pas de réponse. S'il y a marqué pas de réponse en face d'une application, il se peut que ce soit l'origine du problème, du plantage de Windows. Sinon, si c'est le cas, vous cliquez sur l'application en question et vous faites une fin de tâche. Ensuite, si cela fonctionne pas, vous faites utilisateur, vous sélectionnez l'utilisateur et vous faites déconnexion. Voilà. Ensuite, vous réessayez de faire CTRL Alt Supprime. Vous allez ici, vous essayez de vous déconnecter. Si cela ne se déconnecte pas, vous annulez. Voilà. Ensuite, vous refaites toutes les manipulations. J'ai peut-être oublié des manipulations là que je vous ai expliquées au début, mais vous refaites les mêmes manipulations. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est éteindre votre ordinateur. Par ce biais-là, vous faites redémarrer. Vous redémarrez. Normalement, votre Windows n'est plus planté. La résolution du problème. Ça résout le problème. Mais si cela n'a pas été résolu,
nous allons passer par une autre solution. Revenez en mode réparation automatique. Dernier recours, si aucune des solutions de la vidéo n'a réparé votre ordinateur, vous faites dépannage. Ici, vous avez la possibilité de réinitialiser votre PC. Si vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien, dans les derniers recours, on fait la réinitialisation du PC. Vous choisissez de conserver vos fichiers ou bien tout supprimer. Vous pouvez avoir la solution avec cette option, vous supprimez les applications et les paramètres, mais vous conservez les fichiers personnels. Ou bien supprimez tout. Avec cette option, vous supprimez l'ensemble des fichiers personnels, des applications et des paramètres. Il y a une autre solution avant de faire ceci. Si vraiment aucune des solutions ne fonctionne, ça c'est le dernier recours. Donc je vous recommande d'aller d'abord voir options avancées et restauration du système. Restauration du système peut résoudre le problème de votre plantage Windows. On va attendre. Voilà. Ici, vous cliquez sur votre compte. Ici, vous mettez votre mot de passe. Vous faites entrer. Ici, vous vous retrouvez avec la page de restauration. Dans la restauration, vous faites suivant. Dans suivant, vous avez une proposition de restauration Windows. Moi, elle est du 19, du 10-09-2020. Vous pouvez aussi afficher d'autres points de restauration. En cliquant ici, on vous propose plusieurs restaurations. Vous prenez la dernière ou celle que vous pensez que Windows fonctionnait très bien avant le plantage. Ensuite, vous sélectionnez une des restaurations et vous faites suivant. Voilà. Cela pourra résoudre par la suite le problème de Windows avant de faire la réinitialisation si celle-ci ne fonctionne pas. Car la réinitialisation, vous perdrez plein de choses, applications, fichiers et autres choses. Et tout ce que vous avez d'important. Alors, celle-ci pourra justement résoudre le problème sans trop perdre de choses sur votre ordinateur. Vous faites suivant par la suite. Moi, je ne le fais pas, je n'ai pas besoin de restauration, mais si j'en avais besoin, c'est la solution que je prendrais. Donc, après, vous faites la réinitialisation par la suite, si vraiment il n'y a pas d'autre choix. Voilà, c'était Windows Tech. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que de toutes ces solutions, il y en aura au moins une qui résoudra votre problème de plantage Windows. Je vous le souhaite. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bye bye.